aller au bout de ses rêves. Je suis formatrice professionnelle pour adultes. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine du sanitaire et social. Et puis, suite à une dégradation de mon état de santé, j'ai dû me reconvertir. J'ai dû passer par le bilan de compétences, accompagnement. Et puis finalement, j'ai fait moi aussi une formation pour être formatrice. Quand on commence dans un nouveau domaine, dans un nouveau travail, on commence en tant que débutant. Et puis, il faut prouver qu'on a les compétences. Mais quand on est motivé, qu'on a des objectifs, ça passe. La possibilité d'avoir pu me reformer, d'avoir été accompagnée dans mon projet, je suis complètement épanouie. J'ai une deuxième vie professionnelle. Elle est très discrète sur sa situation de travail. Et je pense que si vous échangez avec les autres collègues et si vous demandez est-ce que Florence est handicapée, personne ne va effectivement relever. Et c'est pas que la personne en fauteuil qui est handicapée. Hein. Toutes sortes de handicaps. Et c'est celui-là, il est peut-être plus important que le handicap qui se voit. Si on veut aller jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Il faut absolument aller au bout de ses rêves. Quoi. Une deuxième vie professionnelle, il n'y a rien de... Voilà, c'est exceptionnel.